بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الرئيس فخامة الرئيس وصديقنا العزيز أجدد الترحيب بكم والوفد المرافق لكم في الجزائر جمهورية فنزويلا التي نتقاسم معها رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية علاقات طبعها الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية كل هذا بعيدا عن الرواسب الموروثة عن عهد الاستبداد والاستغلال والظلم فنزويلا والجزائر تشتركان في نضال شعبيهما من أجل الحرية ومناهضة الظلم والاستعمار ويجمع بيننا حتى يوم استقلال نحتفل بالاستقلال فنزويلا تحتفل باستقلالها يوم 5 جويلية ونحن كذلك لقد تحدثنا عن أمهات القضايا المطروحة حاليا في الساحة الدولية بدءا بالقضية الفلسطينية فاتفاقنا تام على أساس كفاح أو النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية فاتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي للحصول على استفتاء تقرير مصيره واستقلاله بالنسبة لليبيا فيه نفس الاتفاق كذلك على أساس سماح للشعب الليبي الشقيق أن يقوم بانتخابات تسمح له بانتخاب مسؤولين جدد لهم شعبية ولهم شرعية شعبية لبناء ليبيا مثل ما يريدونه بالنسبة للعلاقات الثنائية اتفقنا كذلك على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية وإن شاء الله فتح بعد شهرين فتح خط جوي بين كاراكاس والجزائر هذه بصفة عامة الشيء اللي اتفقنا عليه وشكرا Cher président et ami Abdelmajid Tebboune, ministre de l'Algérie, du Venezuela, chers ambassadeurs, nous avons eu aujourd'hui une journée extraordinaire, véritablement extraordinaire. Nous avons eu l'occasion de passer en revue la géopolitique mondiale ainsi que les rapports entre nos deux pays. Et nous pouvons dire que nos deux pays, qui ont eu une histoire héroïque et de lutte, partagent une même vision. Une même vision sur un monde nouveau, un monde de stabilité et de paix. Comme l'a fort bien dit le président Tebboune, nous avons partagé et coïncidé sur trois sujets clés, la Palestine, le peuple sahraoui et la Libye. Nous avons ratifié notre solidarité amoureuse et ferme avec le peuple palestinien. Travaillé dans les deux ministères des Affaires étrangères pour dénoncer les crimes commis tous les jours contre les enfants, les femmes et les hommes en Palestine. Concernant le Sahara occidental, nous avons exprimé notre admiration au président algérien vis-à-vis le peuple du Sahara occidental et sa défense
historique en faveur des droits de ce peuple. Il faut que le monde tout entier réagisse afin de protéger les droits historiques du peuple sahraoui. Il est grand temps d'exprimer davantage la solidarité et l'appui vis-à-vis du peuple sahraoui. Nous avons également exprimé notre préoccupation vis-à-vis de la situation en Libye. La Libye est un peuple frère. Et tôt ou tard, nous devons donner les garanties nécessaires pour que le peuple libyen puisse organiser des élections justes qui permettent de rebâtir ce pays. Et c'est par le biais d'un gouvernement issu des élections populaires que nous allons avoir une Libye indépendante, souveraine et démocratique. En ce qui concerne les rapports bilatéraux entre les deux pays, nous avons étudié et analysé les aspects sur l'énergie, le pétrole, le gaz, l'agriculture, la science, la technologie et l'enseignement supérieur. Et nous avons décidé de bâtir ensemble un agenda de travail en matière économique, financière, de commerce pour mener notre coopération à un niveau plus élevé et atteindre ainsi un progrès conjoint. C'est ainsi que nous relançons aujourd'hui la commission mixte à très haut niveau, afin que les équipes préparent une carte pour traiter des sujets économiques, financiers, culturels, agricoles, pour bâtir ensemble un chemin de prospérité conjointe. Le Venezuela a connu des années très difficiles, les années 2017, 18, 19, 20, victime d'une agression impériale contre notre pays, notre société, notre État, une guerre brutale contre le secteur pétrolier, le secteur économique, la société tout entière. Et donc nous avons été forcés d'adopter une économie de résistance. Et c'est ainsi que petit à petit nous avons réussi à récupérer l'économie et à créer une diversification de l'économie réelle. Et c'est ainsi qu'en 2021 nous avons commencé une récupération visant la stabilité, une croissance et une stabilité plus soutenable dans le pays. Et nous avançons vers une nouvelle économie plus diversifiée pour créer davantage de biens, de services et une économie renforcée, un marché plus solide. Et la clé a été avoir confiance dans la conscience solide de notre peuple et bâtir des valeurs de travail, de conscience, de ténacité dans notre peuple. Et avec notre propre effort, nous vainquons les difficultés. Et c'est ainsi qu'en 2022, on peut voir comment la croissance de l'économie réelle se maintient. Aujourd'hui, le monde a changé. C'est le monde de ceux qui luttent, qui résistent et qui croient en l'avenir. Et si vous me permettez, Monsieur le Président, nous avons pu suivre par le biais de Télésur et d'autres médias internationaux les efforts que vous avez entrepris pour parvenir à la récupération de l'Algérie, pour le renforcement de l'économie, de l'État, de la démocratie en Algérie. Et je voudrais dire ici notre admiration et devant ces caméras, vous féliciter du grand succès que vous avez remporté dans vos efforts. Et je suis certain qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre dans les rapports entre les peuples et les gouvernements de l'Algérie et du Venezuela. Et nous allons vers l'union et la prospérité partagée de nos deux pays. Et vous avez donné une grande et très bonne nouvelle, et je voudrais la ratifier ici. Très bientôt, entre le Venezuela et l'Algérie, il y aura un vol qui permettra aux Vénézuéliens de se rendre en Algérie et aux Algériens de se rendre à Caracas, c'est-à-dire le nord de l'Amérique du Sud, connecté avec le nord de l'Afrique. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de cette décision. Il applaudit. Et j'applaudis très fort.